Mais maintenant, avant de faire le final en musique, il reste une dernière surprise du chef. Il y a un mois, c'était fin du mois de novembre, on était avec Claude à Tokyo pour le Montreux Jazz Festival à Kawasaki. Et quand on arrive à Tokyo, Claude était un peu anxieux parce qu'on n'avait toujours pas l'affiche du festival 2013. Alors quand il était anxieux, il demandait à plein de monde, t'as pas quelqu'un pour faire l'affiche? Il faut absolument l'affiche. Et on était avec son ami musicien Segen Ono. Ça devait être 2-3 heures du matin, on devait être dans un petit bar japonais avec du saké. Et Segen Ono nous dit, mais je connais un artiste extraordinaire qui s'appelle Oscar Oiva. Il est à New York, il est japonais et brésilien, et il fait un travail incroyable. On regarde sur nos téléphones, on regarde l'œuvre d'Oscar, on l'appelle à New York, et Claude dit, c'est génial, tu nous fais l'affiche. Malheureusement, Claude n'a jamais vu l'affiche, il a vu juste les débuts, puisque l'affiche est arrivée sur mon ordinateur le lendemain de la mort de Claude. Mais ce soir, elle est arrivée à Montreux, hier soir, et j'ai un immense plaisir de vous présenter l'affiche que Claude a choisie pour le festival 2013. C'est exactement ce qu'il a toujours aimé, une affiche colorée, une affiche joyeuse, avec un tantinet de naïveté, mais c'est tout Claude. Merci, et il doit en être fier ce soir quand il la voit, puisqu'il a tellement aimé tous ces petits personnages, ces petits caractères, et il avait vu les petits personnages, il ne les a pas vus monter sur l'affiche. Et en plus, Oscar nous a fait l'immense honneur de mettre Merci Claude sur cette affiche 2013. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va clôturer cette soirée en musique avec tous les artistes qui vont remonter sur scène pour rendre un dernier hommage à Claude et surtout pour vous saluer. Merci encore du fond du cœur d'être venu à cet hommage de Claude. Claude, on t'aime pour toujours. À bientôt, je vous souhaite une excellente soirée.